ces jardins-là, c'est un peu une vitrine pour montrer qu'avec des plantes adaptées à la localité, au terrain, qui poussent avec très peu d'eau, on peut aussi avoir cette dimension esthétique qui fait son effet. Toute la sélection qu'on a, c'est des pépiniéristes qui sont à 10-15 km à la ronde. L'idée, ça a été de choisir des plantes vraiment locales et puis aussi, on va dire, entre guillemets, endémiques, sachant qu'elles s'adaptent à l'environnement dans lequel elles ont poussé. Il se peut que ça prenne de l'ampleur. Il va y avoir des plantes grimpantes également qui vont être conduites autour des arbres. C'est tout à fait possible que ça évolue dans le temps.